Et salut à tous les amis, c'est Roro945, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Z de Kind Battle. Une petite vidéo qui ne sera normalement pas très longue. On va parler des nouveaux éléments qui vont arriver très prochainement sur la version globale et en même temps sur la version Jap, car oui, nous allons avoir une célébration commune, car le 18 mars est le Saiyan Day, le jour des Saiyans. Donc on a eu un Dokkan Now ce matin, aux alentours de 7h, 7h30, un truc comme ça, qui a révélé donc ce qu'on allait avoir dans la petite célébration commune. Donc, on va aller voir ça un petit peu, et puis voilà. Alors, chose que je n'ai pas parlé, je crois, de souvenir dernièrement. Alors, on avait eu un petit top 1 pour le portail de couleurs avec cette DS, très bien. Les infos de la mise à jour 4.8.4 de souvenirs, je crois pas en avoir parlé. Alors très vite fait, on peut lier maintenant son compte à Google, à Apple, etc. etc. Les codes de migration ne sont plus valables. Voilà. On peut choisir plusieurs amis en même temps pour en accepter ou en supprimer ou envoyer des demandes. Voilà. Ajustement de la luminosité d'animation, en fait on peut choisir si on veut que ça soit sombre ou entre guillemets normal. La, pour certaines attaques SP, la luminosité a été modifiée. Donc en gros, hein, c'est pour reposer les yeux, pour pas que les flashs du jeu vous abîment un peu trop les yeux, etc. Au niveau de la fatigue oculaire, etc. D'autres corrections, etc. Pas d'ajout de la voix de Broly et AirTech. Bon, ok, on l'aura peut-être un jour, hein, bientôt disponible, j'ai envie de dire. Donc voilà, le ZTUR d'Omega, très bien, ok. On a eu le TB, très bien, le Dekan Now. Donc, justement, car le Dekan Now va... nous dit que en gros, on va avoir une célébration pour le CND qui sera articulée autour de Bardock. Donc déjà, nouvel événement Dokkan bientôt disponible. Donc, un nouveau Bardock. Dokkan Fest, les amis, qui aura un active skill pour se transformer en Super Saiyan. Les animations d'attaque sont vraiment très belles. Un perso qui sera vraiment très bon, mais que pour... Enfin, il sera bon, mais limité au niveau des catégories. Car je crois que de souvenir, alors ça sera la catégorie. On aura une nouvelle catégorie Vengeance. Voilà, donc ça va inclure par exemple Broly et l'AirTech, celle puissance ZTUR, Baby et l'air, etc. Mais voilà. Leader donc pour la catégorie Vengeance et leader catégorie guerrier inférieur. C'est bien parce qu'on avait que le Raditz free to play leader guerrier inférieur. Donc un autre leader, ça peut être que du mieux. Et on a également un nouvel événement spécial. On va pouvoir farmer, comme à l'instar du commando Ginyu, une fois par jour, un personnage de la team Bardock. Voilà, donc vous voyez hein, les artworks, les jours et les types. Et une fois que nous aurons éveillé ces cartes, mis à 100% dans l'arbre de compétences, Pélis, etc., on gagnera un nouvel LR free to play en un seul exemplaire. Franchement, la carte, elle pète la classe. Et la carte donnera donc, je crois que c'est Ki plus 4 et 120% de stats pour équipe Bardock, donc nouvelle catégorie. Et je crois qu'il y aura également catégorie guerrier inférieur, je crois également. Donc voilà, ça va arriver très prochainement, les amis.
Et que dire de plus, bah normalement à partir du 18 ça sera disponible donc à farmer. Le portail arrivera également. Après, est-ce qu'on invoque pas, car eh bien bah les 5 ans mine de rien arrivent, hein, le mois de juillet se rapproche. Donc voilà, petite vidéo très très rapide comme je vous l'ai dit. J'en profite également dans cette vidéo et eh bien bah pour vous souhaiter bon courage pour la crise un peu hein, qu'on a au niveau mondial, mais bon voilà au niveau de la France également avec ce coronavirus qui bah, nous embête un peu dans notre vie du quotidien, etc. Donc prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos proches, de votre famille, de vos amis, etc. Et puis bah pour ceux qui ne bossent plus ou qui ne pourront plus aller bosser, comme peut-être moi d'ailleurs qui pourra plus aller bosser, eh bien bah je vous invite à vous abonner les amis, car bah, j'en profiterai pour continuer des let's play, faire des lives, etc. Car je vous rappelle, hein, les lives sont prévus le lundi soir à partir de 8h30-9h. Mais bah là clairement, si on va pas travailler, bah on aura un peu plus de temps pour essayer de faire des let's play, des lives. Donc bah connectez-vous les amis, abonnez-vous, mettez des pouces bleus, commentez, allez voir les autres playlists de la chaîne et on se donne rendez-vous très très bientôt les amis. Ciao ciao.